Le problème, ce n'est pas l'action. Le problème, ce n'est pas l'action. Le problème, c'est de voir l'ingérence qui se vit sur notre continent. Nous vivons en ce moment une année de plein élections en Afrique, y compris le second tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, où beaucoup de choses se sont enregistrées, des massacres, des tueries. Et nous avons constaté, comme beaucoup d'Africains et beaucoup d'autres habitants dans le monde, l'ingérence des organisations internationales, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine elle-même, l'Union européenne, la communauté dite internationale et l'ONU. Nous croyons vraiment que ces gens-là aimaient les peuples africains. Les peuples africains, pas l'Afrique. Les peuples africains parce que on ne peut pas venir dans un pays où on dit on respecte le droit. Comme dans leur pays, eux ils respectent le droit, eux ils refusent de respecter le droit dans le pays des autres. Et le plus grand problème c'est que vraiment de Dieu, dans un pays, quand on parle de haute cour juridique, je crois que ça existe dans tout le monde entier. Admettons que Babo Laurent n'a pas été élu, ça on accepte. Mais le conseil constitutionnel a investi comme président, ça il n'y a plus commentaire. Mais on a vu les armes circulant en Côte d'Ivoire. Yes. That's just simply because we are Africans. And we seem to understand, we have to understand that the problem of Côte d'Ivoire concerns all Africans. All Africans. So we don't need to just simply say it is the problem of Côte d'Ivoire. As it has begun on Côte d'Ivoire, we are sure that it will arrive here. And we want the international committee, whatsoever they said, to stop what they are doing in Côte d'Ivoire. We want them to stop. We want France, because now in Africa, now in Cameroon, now in our milieu, we have already seen the right face of the France. Our parents have been telling us about what France have been doing here since 50 years ago. We were not accepting, but today we are understanding that it is true that they kill our parents and everybody. So now we want it to stop.